It is news hour on Spectrum Television. In our top stories for tonight, March 23, 2021, the numerous acts of juvenile delinquency witnessed within the school milieu in Cameroon recently has attracted the attention of the Minister of Secondary Education, Pauline Nalovalyonga, along with the Women Parliamentary Network of the National Assembly, who came together today, March 23, in the capital city, Yaoundé, around a round table to seek ways to address the situation, which is fast gaining momentum in schools. Our reporter will complete that story for us in this newscast. Also in sports, the Indomitable Lions of Cameroon are currently training at the Japoma Stadium in Douala ahead of their encounter with Cape Verde come March 26. This and more shall be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Moulier language with Leila Renganze. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Au Cameroun, certains agents de la fonction publique ne travaillent que 100 jours dans le mois. D'autres encore vivent à l'étranger. Pourtant, ils perçoivent tous leur salaire à la fin du mois. C'est ce qu'a récemment révélé le ministre de la fonction publique, Joseph Ley, entend prendre des mesures drastiques pour contrer le phénomène d'absentéisme dans la fonction publique. Notamment avec la campagne électorale qui a officiellement démarré il y a deux jours. Aussi, la session d'aujourd'hui permettra d'elle pour se d'examiner et adopter la résolution constatant la composition de la commission régionale de supervision, de faire le point exhaustif de l'état des préparatifs au niveau de la circonscription électorale afin de revoir aux besoins les ultimes réglages. Avant, nous pouvons à ce jour affirmer que la direction générale a pris les dispositions nécessaires au plan logistique et sécuritaire pour un déroulement optimal et harmonieux de cette élection. Il conviendra par ailleurs de veiller de manière scrupuleuse à la mise en place d'un dispositif sanitaire anti-Covid dans chaque bureau de vote et de s'assurer du respect des mesures barrières tout au long du processus. Dans l'optique d'une supervision générale rapprochée, une mission conduite par Madame la vice-présidente, accompagnée de l'honorable membre du Conseil électoral, responsable de la région de l'Ouest, effectuera une descente sur le terrain afin d'assurer une ultime vérification des aspects organisationnels du scrutin et d'en suivre le déroulement jusqu'à la proclamation des résultats. Il nous incombe le devoir cardinal de contribuer au premier rang à accroître le capital d'intégrité, de transparence, d'inclusion et de crédibilité des processus électoraux dans notre pays. C'est une mission noble mais exigeante, dont les défis sont insurmontables, dont les défis sont innombrables, car nous devons rester dans la dynamique constante de satisfaction des attentes de notre public, qui de jour en jour vont crescendo. Et cette vision doit demeurer par-delà les défis et les obstacles. Aussi, je vous exhorte à ne pas perdre de vue cet objectif pour la consolidation continue de l'intégrité de notre démocratie. Toutes nos excuses, nous parlions de la politique avec la deuxième session de plein droit du Conseil électoral relatif à l'élection des représentants du commandement traditionnel de la Nenoa au Conseil régional de l'Ouest le 4 avril 2021, qui s'est donc tenue ce matin au siège d'Elekam à Yaoundé. La session a été présidée par Eno Abraham Egbe par vidéoconférence. Il a justement fait le point des préparatifs dans cette interview. On reste à Yaoundé pour parler de cette réunion organisée ce jour par le ministre des enseignement secondaire, le professeur Pauline Nalova. Il était question de revenir sur l'influence des réseaux sociaux dans le milieu scolaire. Au Cameroun, il ne se passe presque plus un mois sans un nouveau scandale impliquant des élèves d'établissements scolaires. L'un des derniers en date remonte au jeudi 4 mars. Les faits se sont déroulés à Koumba, dans la région du sud-ouest du pays. Une cinquantaine d'élèves ont été arrêtés par la police alors qu'ils se livraient à des actes à caractère sexuel et à la consommation de drogue à la lisière d'un cours d'eau de la localité. La police a établi qu'il y avait eu une coordination préalable via les réseaux sociaux pour qu'ils se retirent à une heure de pause de l'école et se retrouvent dans cet endroit. Des Camerounais sont en effet éberlués par des scènes obscènes qui font le tour de la toile.
Pour nombre de parlementaires, cette déviance sexuelle inquiète. Cependant, les sorties du ministre des Enseignements secondaires tentent de rassurer. Nous nous sommes dit qu'en tant que députés, dans le cadre de nos activités du réseau des femmes parlementaires du Cameroun, nous sommes heureux de nous associer à son œuvre. Parce que nous, on nous a appris, quand nous étions plus jeunes, évidemment, je parle en tant que doyenne d'âge, j'ai quelques années sur le dos, mais à notre époque, on nous apprenait à voir, à juger et à agir. L'explosion de la délinquance et de la criminalité dans les établissements scolaires au Cameroun est, selon plusieurs observateurs avertis, l'expression d'un laisser-aller qui a pris racine dans la société camerounaise. Il faut dès lors repenser l'éducation des jeunes à l'ère de la mondialisation. Proposons qu'on puisse même associer le ministère de l'éducation de base, parce que l'éducation commence à la tendre enfance, pour qu'on puisse donc par la suite agir. Pareille pratique met en péril le système éducatif camerounais. Il faut, pour inverser la courbe de la délinquance juvénile, régler le problème à la souche. Cela passe par la préparation des enfants à vivre leur adolescence, promouvoir la santé comme hygiène de vie, instaurer une éducation aux stupéfiants. Si cela n'est pas fait en amont, réagir à coups de répression et punition ne résoudra pas le problème, préconisent certains observateurs. Cet appel rejoint celui récurrent de nombreux observateurs qui appellent d'ailleurs à lancer les états généraux de l'éducation nationale. Un rendez-vous qui réunira toutes les parties prenantes et pourra, dès lors, déboucher sur des réformes salutaires et contribuer à redorer le blason de l'éducation au Cameroun. Revenons donc sur ce constat établi par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui fait savoir qu'au Cameroun, certains agents de la fonction publique ne travaillent que 5 jours dans le mois. D'autres encore sont installés depuis plusieurs années déjà à l'étranger. Pourtant, grâce à leur matricule, ils continuent de percevoir des salaires du Cameroun. Joseph Lé entend prendre des mesures fortes pour lutter contre l'absentéisme et le laisser-aller dans la fonction publique. Reportage. Dans divers secteurs aujourd'hui de l'administration publique et parapublique au Cameroun, il n'est pas difficile de voir des individus cumuler plusieurs fonctions au sein de l'appareil gouvernemental, ce qui justifie pour certains les multiples cas d'absence, des heures, des jours, voire semaines, durant dans des services de ces derniers. L'affaire est tellement récurrente et le mal est extrêmement profond au point que même le président de la République a pu en faire des constats. C'est la quintessence de la lettre récemment adressée par le secrétaire général de la présidence de la République au secrétaire général de la primature. Ce document indique que pour éviter d'être placé en position d'absence irrégulière, certains usent des astuces qui leur sont propres, parfois en complicité avec leurs supérieurs hiérarchiques. Cette situation serait aggravée par la propension observée chez certains fonctionnaires travaillant dans les zones reculées ou les villes secondaires à ne pas résider dans la localité dans laquelle ils exercent leurs activités. Les cas sont de plus en plus récurrents au sein des établissements publics et parapublics. Le ministre de la Fonction publique a annoncé la mise sur pied des appareils biométriques afin de suivre de près la présence effective des agents de l'État dans les lieux de service conformément à la réglementation en vigueur. Cependant, la question qu'elle soulève au sein de l'opinion est celle de savoir quel sort sera réservé aux personnes jouissant du cumul de fonctions dans les différentes administrations publiques et parapubliques. S'achemine-t-on vers la fin du cumul de fonctions au sein de la fonction publique? La question reste posée. Toutefois, face à la gravité du problème, le secrétaire général de la présidence de la République, sur instruction du chef de l'État, demande au Premier ministre Joseph Dion Goûté de tenir en urgence une session du Conseil supérieur de la fonction publique dédiée à l'examen de ce problème. Il est important de rappeler que ce sera la première fois que le Conseil supérieur de la fonction publique, créé par décret du Premier ministre le 13 septembre 2000, va se réunir. Santé à présent. Connaissez-vous la maladie d'Alzheimer et la façon dont elle se manifeste? Il faut dire qu'au Cameroun, la méconnaissance de cette maladie est à l'origine de plusieurs préjugés et du mauvais traitement infligé aux personnes qui en souffrent. La famille de Maman Frida Bonnier, installée dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, raconte son calvaire. Le quotidien avec les malades d'Alzheimer, ce sont des moments d'égarement et de recherche qui peuvent vous mener à des endroits insoupçonnés. La famille de Maman Bonnier Frida se rappelle de la difficile expérience de l'année 2019.
La grand-mère a eu à partir, elle a fait 2 jours dehors. On est passé par les commissariats, on est passé par les chaînes de télé, les chaînes de radio. C'était vraiment un peu pénible. On nous a appelé à Bipanda, on est allé voir une grand-mère. Mais ce n'était pas elle. On nous a appelé au bois des singes. C'est là-bas qu'on l'a retrouvée. Dans cette histoire, le pire est évité de justesse. Maman Frida, centenaire, présente des troubles paranormaux. Le phénomène des avions de nuit, qui ont pensé que c'était le phénomène des avions de nuit et qui voulaient déjà arriver au pire. Je crois qu'on réserve souvent le traitement de brûlure à ces personnes-là. Donc ils voulaient la brûler. Heureusement pour nous, nous sommes arrivés un peu plus tôt. Avec le temps, les membres de sa famille installés au quartier Saint-Michel dans le 3e arrondissement de Douala ont développé des astuces. Constamment, elle est toujours en train de dire qu'elle va rentrer à Bafoussa, rentrer au village. Donc, elle peut se lever là à 4h du matin, elle porte son sac. Son sac, il y a les jours où c'est lourd. Elle met des choses dedans, elle ramasse tout ce qu'elle peut ramasser, elle met dedans, c'est lourd. Moi-même, quand je porte, je la regarde et dis que toi, tu fais comment pour porter le sac-ci? Elle dit qu'elle part, elle reste. Après elle oublie qu'elle devait même partir, ça va. Allant même jusqu'à impliquer le voisinage. Parce que tout le monde, jusque là-bas au terminus, on a dit, quand même n'importe qui la voit. L'autre jour, en mois d'août, Maguida a vu là-bas, il me dit que vous avez laissé la grand-mère. Il pleut comme il a plu l'autre jour, là. La grand-mère était ici sur la pluie. Je dis que qui connaît même qu'elle est sortie. Une autre technique a eu offerte par une association, le port d'un bracelet par maman Frida ayant des numéros de téléphone. Lorsque la personne va sortir de la maison et va s'éloigner de son espace familial, il serait plus facile de retrouver la personne à partir de ce bracelet. Donc, même si c'est dans la nuit, ce bracelet est fluorescent. Et ceux qui pourront rencontrer une personne âgée présentant certains signes d'instabilité, de troubles de la mémoire, il suffirait simplement d'appeler les numéros qui figurent sur ce bracelet. Alzheimer, c'est une maladie incurable du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. C'est la cause la plus fréquente de démence chez l'être humain, mais ces malades ne doivent pas être enfermés parce que distillant toujours une joie de vivre. And still in health, the respect of COVID-19 barrier measures by urban and inter-urban drivers is a big challenge for the authorities. As these drivers remain indifferent about this dreaded disease, they continue to overload passengers in their vehicles without respecting the social distancing measures nor the wearing of face masks. Catherine Corney reports. The coronavirus pandemic is leaving no sector untouched. It is due to this that the transport minister has threatened to suspend any transport operator caught overloading. His decision seems to be respected by some urban and inter-urban transport drivers in the city of Douala. With regard to the wearing of face masks, I always tell my passengers to wear them because I know it's obligatory. I can't see myself being sanctioned and my license withdrawn. I equally stop overloading even though it's going to affect us so badly. Par rapport aux conditions que l'État nous a données, on essaie un peu de... Concerning the coronavirus restriction measures, we try to respect them. We don't overload and each driver or passengers can chauffeur, on porte trois derrière, we carry three passengers behind. Ça dépend des chauffeurs. Parce que selon moi, les clients qui arrivent sans cache-nez, avant la note récente du ministre des transports, nous avons toujours... It should be noted that before the minister's note, we have been respecting the barrier measures. As you can see in our different corners, we made available a sink for the washing of hands and the wearing of face masks is obligatory. Chacun a ses gants. On évite au maximum de se frotter les uns et les autres.
While many are conscious of the dangers posed by the COVID-19 pandemic, others are gullible to their existence. Vous savez, on parle de corona, tout le monde doit porter son casque. Talking about coronavirus, we all have to wear our face mask. But the sensitization campaign needs to be intense because many people are still not wearing their face mask. We carry those who meet on the road, whether wearing a face mask or not. Like me, my face mask is in my bag. C'est dans le sac. Porte de masque. Certaines personnes portent encore le masque, d'autres n'ont pas encore eu l'idée par rapport à la maladie qui fait. I just noticed there is still laxity in wearing a face mask. Some wear their face mask while others don't. I think some are still not conscious of the disease. Here at the agency, I noticed some workers are still not conscious of coronavirus. Mais il y a d'autres qui sont quand même au courant, mais d'autres ne s'en foutent de ça. Ils pensent pas vraiment qu'il y a la maladie. The transport sector, which is one amongst other sectors exposed to the dreaded COVID-19 pandemic, has proved to be a hard nut to crack, as ignorant denizens still prefer to be doubled, either on a bike or in a taxi, than spending a whole day waiting for a conscious driver. It should be noted that the COVID-19 pandemic is a reality, and everyone is called upon to strictly respect the barrier measures to curb the spread. And on to our human interest story, the increase of documents to be acquired by the commercial bike riders is a great struggle to the sector of business, as these drivers complain of not being financially viable to make the necessary documents. Onila Donet tells us more. As years go by, the process of acquiring the right circulation documents by commercial bike riders gets more complicated. From the discharge tax slip asked a few years back by Kansu police, these riders are being asked to add to the discharge slip a driving license and an insurance policy, a demand that cannot be met due to its high cost. Je me rends compte que il y a déjà tout un tas de désordres qui se passent à ce qui concerne les papiers qu'on nous réclame, à savoir l'impôt libératoire. I realize that there's so much disorder in regards to acquiring documents. In the past, we were asked to show our discharge tax documents, but now we are asked to show our insurance slip, our driving license. And the conditions in which we are being asked these documents is so unbearable. Because imagine, we are in a roundabout waiting for customers, and we are confronted by police, council officers. The seize our bikes. Working is so hard. We don't have the money to make all these documents. Making a discharge tax slip isn't easy. With all these documents added up, it's not going to be easy. Rappelez-vous un instant par rapport aux impôts libératoires. Déjà que ce n'est pas facile. À nos jours, on demande à ça le permis, on demande à ça l'assurance. C'est pour nous compliquer la tâche. Donc ce qui fait que tous ces désordres qu'on vit là, ce n'est pas facile. Others are still struggling to renew their national identity cards before thinking on how to save up for other documents. Bon, pour l'obtention qu'on nous demande, oui, ça fait 2 semaines que je n'ai plus ma carte d'identité expirée. Comment est-ce que je vais faire alors pour pouvoir obtenir mon permis de conduire puisque tu peux pas faire le permis sans carte d'identité? In regards to the documents being demanded, I don't even have my ID card. It's been over 2 weeks since it expired, but I have not been able to renew it. And you cannot get a license without an ID. Even when you try renewing it, it's very difficult. You have to bribe so the line will go quick. Bon, au niveau du financier, c'est exactement financier. Parce que quand tu arrives, il y a des fois les deux rangs comme ça, tu es obligé peut-être de choquer pour qu'on puisse avancer avec toi pour pouvoir régler. Mais tu n'as pas de moyens là. Ça fait 2 semaines que j'ai payé ma moto, mais ma carte d'identité est là, mais c'est déjà inspiré. With the adverse effect of the coronavirus on their sector of business, these drivers are requesting for some time and understanding from authorities. Question d'argent, dehors, ce n'est plus facile comme les années précédentes. Money is difficult to get. The time we are at is difficult. They should give us more time so we can get the documents. Que tout se relance normalement pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse obtenir nos pièces. It should be noted that out of the over 70,000 bike riders in circulation in Douala,
Just few managed to secure all the right documents. The illegal occupation of sidewalks in the economic capital city, Douala, is fast rising despite the recent sensitization campaign led by the city mayor, René Mbassandiné, calling on all sidewalks occupants to free the pavement for pedestrians. Our reporter Catherine Cornet takes us to Bunaberi in the Douala 4 municipality, where this phenomenon is fast gaining ground. Catherine Cornet reports. Welcome to Cameroon's economic capital, Douala, an industrial hub of the country. The city, known to be the town of the good, the bad and the ugly, continues to experience a galloping urban disorder due to the uncontrolled nature of its inhabitants. Here in the Douala 4 municipality, sidewalks meant for pedestrians at every given location has now become an avenue for commercial activities. This past sensitization campaign from authorities for these occupants to return the side path to pedestrians, the call seems to have fallen on deaf ears, as anyone anywhere can display his or her goods on these pavements without authorization. The continued disobedient attitude of these locals leaves one to question the competency of administrators in charge, who seems to have failed in implementing the rules and regulations governing the city. Reasons why such an illegal occupation of sidewalks by traders could still be observed. The disturbing situation, however, does not only hinder circulation, but has reduced the beauty nature of Douala, Cameroon. Vente du carburant frelaté, l'activité se porte plutôt bien à Douala, au quartier Rai, c'est dans le 4e arrondissement de la ville. Il faut dire que l'activité, je le disais, se pratique au vu et au su de tous, et même des autorités qui ont par le passé tenté plusieurs fois d'y mettre fin, en vain. Cette activité est illicite, mais elle se fait au vu et au su de tous dans la capitale économique du Cameroun. Sur ces comptoirs, au lieu d'y Rai, dans le 4e arrondissement de Douala, des bouteilles en matière plastique exposées au soleil et pas adaptées pour contenir le carburant, un liquide extrêmement inflammable. À côté de ces bidons de combustible, des jeunes dames qui vendent et font également le service disposant d'un matériel approprié pour le faire. Ces dernières sont souvent accompagnées de leurs enfants qui jouent insouciants à proximité de cette marchandise particulière. Parmi les clients, les conducteurs d'engins à deux roues, mais aussi de voitures qui choisissent de consommer ici alors que des stations-service se trouvent juste à proximité. Issu de la contrebande, ce produit détruit pourtant, selon les experts, le circuit d'injection et de filtre à gasoil des véhicules. Autre conséquence, il accroît la concentration des particules fines dans l'air, cause de pollution et de maladies respiratoires. Ce phénomène est comparable à un serpent de mer dans la ville de Douala et même dans plusieurs villes africaines. Plusieurs autorités administratives ont plusieurs fois essayé, sans succès, de lui couper la tête. And now we take on our international page with the VOA. Since the pandemic began, companies have struggled to keep COVID-19 out of the workplace. We had two cases early on, I think it was in May, and we basically had to send everybody home. Having to temporarily shut down the factory where they manufactured parts for the military, medical, and other industries led Gianni Bianchini and his partner to develop systems to keep their workers safe. Now they are marketing these tools to others. The people that have gone back to work during this pandemic are experiencing these issues on a daily basis. Smart Space is a wearable device that alerts users when they come within 6 feet of each other, using radio waves in the ultra-wideband frequency. Basically, it's a radar sending signals back and forth, trying to find another device,
and registering date, time, distance, and duration. This information can also be used for contact tracing. If there is a coronavirus case, an administrator can notify others who have been in close proximity. The company says the system is designed to only track people within the workplace. Bianchini also wondered if they could improve upon the masks that workers were wearing all day. We liked face shields, but we figured, well, can we deliver purified air to the user and also control exit particles? The company designed a helmet with a built-in HEPA air filter. We're also incorporating UVC LED lights inside, so the already purified air is going to be exposed to UVC, and then fresh air will be blown inside the face shield. The helmets have the added benefit of seeing your coworkers' faces again, a plus while working to stay safe in the pandemic. Matt Dibble for VOA News, San Francisco. And now in sports, the Indomitable Lions of Cameroon are currently training at the Japoma Stadium ahead of their encounter with Cape Verde come March 26 in Pray. The training started yesterday with 15 players present. Oni Ladonet reports. The Indomitable Lions of Cameroon are in camp here in the economic capital, Douala, ahead of the fifth and sixth day of the Total Can 2021 qualifiers. The Lions, who arrived on Sunday, started the training on Monday, March 22nd, at the Annex 1 of the Japoma Stadium, with 15 out of the 26 players present during this training session. The boys of Antonio Conceição are set to lock horns with Cape Verde on March 26 in Praia, counting day 5 of the CAN 2021 qualifiers. Come March 30th, the Japoma Stadium will host match day 6, with the Lions playing against Rwanda. With Serge Luko still down due to an injury gotten while on duty with his Belgian club Was Land Bereven over the weekend, head coach Conceição has turned his eyes to Fire Collins of Belgian top flight club Standard Liège. With 72 hours to kick off, it is worthy of note that the Indomitable Lions captain Eric Maxime Choupo-Moting will not be part of this Lions squad. This is after the invitation email is believed to have been resent to the sender. And that's the package we put tonight for you. Thanks for joining in and have a blessed evening in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Asseig. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Television. Si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.